érigé sur cette rue, donc de plus de 3,5 km, qui va de l'entrée Bépanda, non loin de son domicile, jusqu'au lieu dit rond-point, station-service Bocom. La stèle de Françoise Fonning est portée disparue. Inaugurée jeudi dernier par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, en mémoire de l'ex-maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, d'œuvre d'art qui a apporté une autre coloration dans cette rue qui porte désormais son nom. Françoise Fonning Chopning est introuvable depuis quelques jours. Oui, de prime abord, je voudrais dire que j'étais ravi de voir ce monument-là, de cette grande dame de la nation. Mais du premier coup, je me suis rendu compte que c'était fait d'une façon fragile, plus particulièrement l'image. Parce que l'image était certes frappant, beau, mais apparemment c'était fragile. Donc, de premier vu, je me suis dit que ça ne mettra pas long. Et je n'ai pas été étonné ce matin de voir que l'image n'était plus là. Et selon certaines indiscrétions, de vives tensions entre les enfants de la défunte qui ont précédé la cérémonie d'inauguration de la dite stèle par l'idylle de la ville seraient pour beaucoup dans cet acte de vandalisme. Peut-être quelqu'un aurait pu casser, peut-être, parce que Mme Fonny n'avait pas seulement des admirateurs, elle avait aussi certainement des détracteurs et peut-être il y a des personnes qui ne sont pas contentes de voir ce monument. Mais je pense que ce monument a bel et bien sa place ici. Mais il faudrait que ceux qui ont pensé à réaliser ce monument puissent réfléchir davantage pour faire quelque chose de plus durable, quoi. Et l'un de ses enfants, Salomon Chopning, initiateur du projet, aurait déposé deux plaintes contre inconnus. L'une au niveau de la brigade de gendarmerie de Bépanda et l'autre au commissariat de sécurité publique du 7e arrondissement.